On peut faire une game YouTube? Putain, ça, je comprenais pas d'où venait le bruit. En fait, c'est elle, regardez. Bon, yo les potes, j'espère que vous allez bien YouTube. Bon, là, je suis en stream, du coup, je suis un peu gênée parce que je fais une intro en stream. C'est assez bizarre. En plus, on entend Lily en fond qui est en train de siroter son meilleur thé devant moi. C'est. Ça me dérange. Non, je rigole. Sur le créatif de Fortnite, j'en fais jamais, mais c'est le moment d'en faire avec Lily. Coucou Lily. T'as dit coucou à YouTube? Ouais, je dis coucou à YouTube. Dis-leur coucou. Coucou YouTube. T'as pensé que t'allais faire le signe de la main et tout. Ah, mais j'ai pas de cam. Mais non, mais. Ah, genre. Sur le jeu. Coucou ouais. YouTube. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah, mais bute. Et du coup, on va faire un tu préfères. Genre, j'ai la map, c'est un tu préfères, je crois que je te l'ai dit hier. Hein. Il y a 60 questions. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos, parce que ça risque d'être très long. Mais voilà. Ok, vas-y. Du coup, c'est parti. Faut rentrer. Vas-y, tu prends la porte droite ou la porte gauche? Droite. Vas-y. Tu préfères avoir 10 enfants ou aucun? Ah, moi je préfère en avoir aucun perso. Déjà qu'avoir deux gosses, ça va être chaud. 10 enfants, meuf, c'est la galère. Hein. Vraiment, t'occuper de 10 enfants, 10 gosses qui chialent de partout, ouais, là, c'est non, horreur. Aucun, aucun, aucun. Tu préfères que personne soit là à ton mariage ou à tes funérailles? Bah, mes funérailles, je serais morte, j'en ai rien à foutre. Alors, comment en mariage? Mais quoi? Attends, quoi? Mais à ton mariage, j'imagine, y'a personne qui vient. Bah, je m'en fous. Seule. Tant qu'il y a mon mec. Mais moi je veux trop m'éclater avec mes potes et genre ma famille si elle est pas là en mariage, franchement je suis pas bien alors que mes funérailles je suis morte, j'en ai rien à foutre. Bah ouais, mais ça veut dire que les gens ils t'aiment pas. Bah ou sinon qu'ils sont trop tristes, moi je t'avoue que faire les funérailles j'aime pas genre. Ça me rend trop triste, je préfère faire mon deuil de mon côté déjà. Moi je préfère Attends mais tu préfères... J'avoue le mariage, je sais pas en fait. C'est mieux aux funérailles meuf. Moi je vais là hein. Attends, mais ça veut dire y'a personne qui t'aime. Mais si, c'est juste qu'ils ont pas voulu venir à mon mari. Ah, mes funérailles, ils étaient trop tristes pour venir. Non, c'est des menteurs, moi je vais... Non, moi c'est mariage. Et si personne n'est à ton mariage, tu le vis comment toi? Tu trouves ça normal? Bah je m'en fous, tant qu'il y a mon mec, je veux mais ils t'aiment pas, c'est-à-dire que les gens, personne t'aime. C'est exactement la non, même chose, pas non ça. Mais ouais, c'est la ça même chose, ta seule raison, elle va aller pour les deux. Oui, bon, bref. Tu préfères avoir l'apparence de quelqu'un de 10 ans toute la vie, toute ta vie, ou de quelqu'un de 70 ans toute ta vie? Mais... Bah, 10 ans. 70 ans, t'es vieux. Hein, et tu vas être fatigué toute ta vie, c'est chiant. En 10 ans, t'es en pleine vie, tu cours de partout. Oui, mais 70 ans, si t'as mis les crèmes anti-rides et que tu t'es bien comporté, genre t'as fait du sport et tout, tu peux être beau. Hein. Bon, ça dépend de la définition de beau. Mais c'est vrai, quand t'as 10 ans, tu rentres nulle part en vrai. Mais 10 ans, t'es plate, tu fais rien de ta vie. Non, moi, 70 ans. Je sais pas, en vrai, moi j'ai pas envie d'être vieille, je préfère avoir 10 ans toute ma vie. Hein. 70 ans, tu peux même plus courir. Et ça, je rigole pas. Oui, hein. Si. Non. Tu trottines. Meuf, on met que des questions différentes, ça me bute. Tu préfères voir tes potes faire l'amour ou tu préfères que tes parents te voient faire l'amour? Ok, tu préfères voir tes parents faire l'amour ou qu'ils te voient? Oh non, ça c'est chaud. Moi, je préfère voir mes parents, hein. Ça va pas ou quoi? J'avoue que moi aussi, en vrai. Ah bah après, moi, ça serait mal à l'aise, mais moi je. Comme ça, elle serait choquée. Bah alors, Lily, on fait des choses étranges. Du coup. Ouais. Tu préfères tout savoir tout le temps ou ne rien savoir du tout? Moi, je préfère tout savoir, c'est trop bien la connaissance. Mais genre, tout savoir, genre, c'est pas l'avenir. Genre, c'est juste tout savoir. Bah, tu sais trop bien. Tout. Tu sais tout sur tout, genre. C'est le feu. À la minute. Oh non, moi je stresse si je sais rien. Ah ouais, moi je sais tout savoir, attends. Mais meuf, tu sais tout, mais tu deviens Einstein, tu. Mais t'es millionnaire en vrai. On est d'accord. C'est ça. Tu préfères vivre au Moyen-Âge ou vivre sur Terre dans 1 million... Oula, mais il n'y aura plus de Terre dans 1 million d'années. Pardon. Non, mais c'est vrai, il y aura plus d'humains dans 1 million d'années. Tu préfères savoir ton futur sans pouvoir le changer ou ne pas savoir et faire tes propres choix? Je préfère ne pas savoir, ouais, Attends, mais t'imagines, tu sais ton futur, c'est nul. Tu sais quand tu meurs, tu sais ce que tu vas faire demain, tu sais ce que tu vas faire ce soir. Ouais. Ta vie, elle est tracée, genre ça sert à quoi de la vivre? Alors que là, t'as plein de rebondissements et tout. C'est beau ce que tu dis. Tu préfères arriver à tes rendez-vous toujours une heure en avance, une heure en retard? Bah, en avance quand même, parce que tu vas te faire virer à 24 sinon. Tu préfères avoir toujours des cauchemars, voir des esprits dès que tu te réveilles? Oh, moi ça me dérange pas de voir des esprits, hein. Bah j'avoue, moi ça me fait pas peur. Check et bon, faire des cauchemars, moi j'aime pas, tu dors mal. Moi j'aime bien parce que je fais des rêves bizarres, en vrai. Attends, en vrai, les trois quarts du temps, quand je fais des cauchemars à mon âge, maintenant, bah, je me rends compte que c'est un cauchemar, du coup ça devient drôle.
Est-ce que t'as téléchargé l'appli Sleep Recorder? Ouais, record tu sais que meuf, je dors mais je fais pas de bruit, je me retourne même pas dans la nuit. Moi, j'ai genre deux... J'ai dû enregistrer deux trucs, tu vois. Ouais. Et sur la vie de ma mère, tu vois. Genre, je suis en train de dormir, et c'est pas dans mon réveil. Je commence à bouger et tout, et je fais... Je dors. Tut. Genre, je fais des... Dans mon rêve, je dis que je suis en train de dormir. Alors que je suis en train de rigoler sur ça. Je dis quoi, ça fait... C'est trop creepy, je trouve. Est-ce que je dors, là? Dans mon rêve, je dis je dors. Bon, du coup, je sais pas, hein. Bon, avant... Non, toujours des cauchemars, non, moi, ça me fatiguerait. Je préfère avoir des esprits. Ok, ouais, ça me fatiguerait trop. Tu préfères être pauvre aux côtés de l'amour de ta vie ou être riche sans jamais connaître l'amour? Il y a un pote sur mon chat, il m'a dit « Pourquoi tu dis pas que tu chiales dans ton sommeil ?» Tu sais que... L'autre enregistrement dont je te parlais, on m'entend pleurer dans mon sommeil. Mais what? C'est fou. Mais t'es bizarre, meuf. Je... Oh non. Non mais bref. Bon, du coup, moi je suis là, moi direct. Hein. Mais en fait, moi, ça dépend. Si l'amour de ta vie, Sans jamais connaître l'amour. C'est même pas genre tu connais l'amour, mais pas avec l'amour de ta vie, genre. Genre là, tu connais rien. Bah, tu connais pas l'amour, tu sais pas à côté de quoi tu passes, tu vois. Alors quand tu connais l'amour et qu'on te brise le cœur, il y a rien de pire comme sensation. Mais t'as tout le monde autour de toi. T'as tout le monde autour de toi qui connaît l'amour. Donc au fond, tu peux savoir ce que c'est, tu vois. Je sais pas. Après, j'avoue, l'argent... c'est important, voilà. Je trouve l'argent, c'est important quand même. Être pauvre, je peux pas. Honnêtement. Ouais, genre, mais si toi t'es pauvre... Attends, si... Mais surtout que tu peux rien faire contre. Tu peux bosser comme une malade, tu vas rester pauvre. Non, oui, moi je vais être riche. Mais si l'amour de ta vie, il est pas pauvre. Bah non, toi, tu peux être pauvre. C'est être pauvre avec un S. Tu préfères être pauvre avec un S aux côtés de l'amour de ta vie. C'est peut-être pour les et deux, bah, non? Eh ben, on barre le S. Non, mais moi, je suis pas une michto, hein. Moi, c'est mon mec qui est plus riche que moi, déjà, ça me fait chier, tu vois, genre... Enfin, non, ça me fait pas chier, tu vois, mais genre... Dans tous les cas, il m'offrira pas plus que ce que je lui offre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, j'ai toujours moi, eu des mecs moi, avec plus d'argent que moi, tu vois, et... Resto, c'était tout le temps une fois lui, une fois moi. Et course, pareil, hein. Genre, non, moi, je me fais... En vrai, moi, j'aime beaucoup l'amour, hein. Enfin, bof, mais oui, franchement, c'est non, triste, moi, je suis désolée, moi, vive l'amour. J'aime trop l'amour. Je sais pas, moi. C'est important. L'amour, c'est bien, mais c'est triste. Pour se construire. Pour se construire, il faut l'amour, Juliette. Ça fait partie des... Les gars, vous choisissez de gauche ou droite? De la base. Dans le chat. Non, mais franchement, imagine-toi, vraiment, ouais, sans droite. Connaître l'amour. Moi, c'est droit. T'as vu la personne que tu dois être? Tout le monde met droit dans le chat. Ah, tu désolée. Désolée. Mais moi, je t'aime amicalement, tu vois, mais c'est quand même de l'amour en soi. Du coup, je vivrai cet amour-là. Moi, je m'en fous de l'amour. Ça, on s'en fout. Je serai très heureuse, je ferai tous les voyages au monde et j'aurai mon chien, je serai amoureuse de mon chien. Et moi, je suis riche. Tu as dit que tu m'aimais? Oui. Moi aussi. Oh. Ça va partir en pleurs là. Alors, tu préfères être super intelligent mais moche ou être beau mais bête? Ah, moi je préfère intelligente. Alors là, par contre, être bête, je supporte pas les gens bêtes. Ça m'énerve. Alors que si t'es moche mais que t'es intelligent, tu peux être attirant, tu vois. Mais surtout, tu t'es moche, alors, tu fais quoi? Tu fais de la chirurgie, tu te fais en sorte d'être beau, tu vois. Alors que t'es bête, c'est compliqué de devenir intelligent parce que quand t'es bête, tu t'en rends même pas compte que t'es bête. C'est ça le pire. Moi j'en connais, hein. Dis-toi, j'en connais. Des gens bêtes, hein. Ouais, bah. J'espère que tu me vises pas, quoi. Bon, du coup. Tu préfères être Lily en prison pendant 10 ans. Attends, Lily, là, tu m'as pas répondu à ma question. Hein? Tu m'as pas répondu. Être dans le coma pendant 20 ans. Ou être en prison pendant 10 ans. Attends pas, pendant 20 ans. 10 ans, moi j'ai pas envie de perdre 20 ans de ma vie. Hein. Je préfère être en prison pendant 10 ans. Tu sais que la prison, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur, mais c'est pas si dur que ça. Hein. Moi j'ai vu des films, je pensais que c'était la galère. Hein. Mais les gens, t'as regardé quand même... Prison Break? Mais c'est pas pareil. Tu sais qu'il y en a qui perdent des doigts de pied là-dedans. Arrête, mais moi je serais sage comme une image. Moi je ferais rien de méchant. Moi je regarderais juste ma télé parce qu'ils ont des télés en prison. Mais tu sais, mais non, mais si t'es dans le coma pendant 20 ans, ça veut dire que t'as sais. T'as perdu 20 ans ta non, vie, non, meuf. Tous les films que tu dois te faire dans ta tête quand t'es dans le coma. J'avoue, genre, t'as tu rêves, non? Mais je pense, je sais même pas. Franchement, je sais pas. Après prison, c'est vrai que coma, tu t'en rends pas compte, je crois que t'es dans le coma. Tu te réveilles, t'es en mode yes. Alors prison, 10 ans, c'est dur. Oh, prison, hein. On peut peut-être s'amuser, faire des copains. Il y a des prisons, franchement, il y en a, ils le visent pas si mal que ça, je te jure. Hein. J'ai vu des reportages. Franchement, la prison de Orange is the New Black, moi ça me va. Hein.
Coma, tu sais, t'as tous tes proches, ils souffrent, ils savent pas si tu vas te réveiller. Prison, au moins, ils savent t'as... Enfin, t'es en prison, quoi. C'est vrai, tu penses à tout, toi. Tu préfères être invisible ou être super rapide? Invisible, direct. Oh, le feu, être invisible. Après, être super rapide, ça dépend. Invisible. Ah non, mais moi, c'est pas invisible. C'est clairement être super rapide, meuf. Je m'inscris au marathon, je gagne tous les marathons, je deviens millionnaire. Pensez business. Pensez business. Hop, chier. T'es pire que moi. Hein. Oh, ça, c'est quoi cette question? Tu préfères ressembler à un poisson sentir l'eau? Bah, faire demi-tour là? Y'a pas Joker là, donc, Tu ressembles déjà à un poisson? Comment ça? Je ressemble déjà à un poisson. Sentir le poisson, c'est une horreur. Ressembler à un poisson, c'est une horreur aussi. Je préfère sentir le poisson. Hein. Tu mets du parfum, des eaux et tout. Bon, après, je préfère quand même sentir le poisson parce que ressembler à un poisson. C'est même de loin, on voit que t'es un poisson alors que sentir, c'est quand même proche, tu vois. Vas-y. Ouais. Au pire, tu deviens streameuse, personne sent ton odeur. Moi, tout le monde, je sens le poisson, vous savez pas, les gars. Et ouais, youtubeuse, hop, tu deviens riche, tranquille. Et tu ressembles à un poisson. Et j'en suis sûre, en fait, tu peux percer aussi. Tu ressembles à un poisson, la première femme poisson. Et tu fais une vidéo YouTube, tu deviens. T'as 1 million d'abos. Hein. Oh purée, j'avoue qu'en fait, les deux, ça marche. Ah, je suis mort. Mais quand tu sors dans la rue, tu le vis mal. Non, je préfère puer. Du coup, tu préfères être un arbre, vivre dans un arbre toute ta vie? Non, moi je préfère vivre dans un arbre, hein. Trop stylé. Bah, c'est quoi le principe d'être un arbre? Tu fais rien de ta vie, quoi. Bah, ouais. Tu préfères vivre dans l'espace sous la mer? Moi je mets dans l'espace parce que j'adore le son de Gambi. Moi j'irai dans l'espace aussi, en vrai. Tu préfères perdre ton sens de l'odorat du toucher? De l'odorat. Genre, je m'en fous d'un sentir toucher, ouais. T'imagines, tu touches ton clavier, tu sens même plus. Est-ce que je touche ma touche là? Odorat de ouf. Ouais. Bah ouais, attends. Moi j'aime trop toucher les gens. Bah là, actuellement je sens rien, tu vois, je respire, j'ai aucune odeur. Ça me fait rien. Tu préfères être un singe, un gorille? Un singe, tu bats de partout, c'est trop stylé. Tout kiki. Tu préfères ne pas avoir. J'avoue, ça a changé avec quoi. Ça m'a perturbé. Tu préfères ne pas avoir de cheveux, être super poilu. Pas avoir de cheveux. Comme ça tu mets des perruques. Être super poilu. Bah tu rases. Bah, tu fais des épilations aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées? Quoi? Je sais pas, c'est la seule clinique laser que je connais. La clinique des Champs-Élysées. Ouais, mais tu peux pas t'épiler partout avec, je sais pas. Ouais, mais je préfère quand même. Tu peux pas faire. Ouais, c'est sûr. L'épilation partout. Bah, après, t'as les perruques, quoi, donc. Bon. Après, si t'as un Chewbacca, c'est ton souci, quoi. Pour le stylé. Hello, c'est la voix off du montage. En fait, je me suis rendu compte que la vidéo est beaucoup trop longue. Je l'avais prédit au début de la vidéo, comme vous avez pu le voir. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, que ça n'a pas été trop long. On a pas mal débattu avec Lily sur chaque question, c'était plutôt drôle. Et la suite des questions est tout aussi drôle, donc si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Moi, ce genre de vidéo, franchement, ça me fait beaucoup rire. Les tu préfères, je le fais énormément en soirée avec des potes. Même avec Lily, on l'avait fait une fois quand on avait fait un live IRL. D'ailleurs, n'hésitez pas à... J'ai bégayé là. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch. Je fais des lives tous les soirs sur la chaîne Twitch. Donc si vous voulez parler avec moi, c'est là-bas qu'on se retrouve. Et du coup, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour la suite. Bisous.